Pour les personnes qui n'ont pas Internet chez elles ou qui ont des difficultés à l'utiliser, le département du Nord a équipé ses relais autonomie de tables numériques. Avec cette borne bleue qui ne passe pas inaperçue, les personnes âgées et en situation de handicap peuvent effectuer toutes leurs démarches en ligne et accéder plus facilement à leurs dossiers. Je viens ici pour utiliser la table numérique pour effectuer des démarches telles comme le portail Nord Autonomie, la CAF, l'Amélie, numériser des documents et encore même utiliser une clé USB. Quand je n'y arrive pas, j'ai des difficultés, j'appelle Jean-Luc. La table numérique ne remplace pas l'accueil personnalisé proposé dans les relais autonomie. C'est un outil en plus au service des usagers. En tant qu'agent d'accueil, j'accompagne les usagers au niveau de la table numérique. Je les accompagne à créer un compte CAF, à rechercher des informations sur différents sites, type la MDPH. S'ils n'ont pas d'adresse mail pour la réception de documents, je les accompagne également pour créer une adresse mail personnelle. Toutes les bornes sont adaptées aux personnes déficientes visuelles et aux personnes à mobilité réduite. Les applications disponibles évolueront en fonction des besoins des utilisateurs. En 2022, 80 tables numériques seront ainsi accessibles sur l'ensemble du territoire.